Objet nombre SCP-64. Architecture de von Neumann défectueuse. Classe sûr. Procédure de confinement spécial, SCP-64 doit être conservé dans un local approprié pour des observations à distance. Les objectifs actuels consistent à générer un modèle géométrique semblable à la forme de l'objet et d'observer les changements de ce modèle en fonction de son emplacement et de la composition du sol. Certains sites dans le désert de Gobi et dans l'outback australien ainsi que d'un certain nombre de marais salants dispersés autour du globe sont à l'étude pour les futurs essais. Et l'emplacement actuel de SCP-64 est classé à tout le personnel sous le niveau 3 de sécurité. Une fois la croissance arrêtée, les équipes de terrain doivent noter la taille de la structure, la forme et la composition et retirer l'objet pour le transport vers un nouveau site. Description : SCP-64 est une brique de terre cuite brun clair composée principalement d'oxyde de silicium et de certaines matières organiques. L'objet pèse 1,6 kg et mesure environ 10 cm x 6 cm x 20 cm. Sa surface est lisse et plate, avec quelques éraillures mineures. Dans l'ensemble, l'objet est visuellement similaire aux briques plus solides utilisées dans le bâtiment. Lorsqu'il est laissé sur une étendue plate de terre molle, SCP-64 commencera à se multiplier par un mécanisme inconnu. Une observation attentive révèle l'apparition d'un réseau irrégulier de fibres de silicium dans la forme de l'objet d'origine qui se remplit et se solidifie ensuite avec un mélange à base de terre jusqu'à ce qu'elle atteigne une masse appropriée. Ce processus peut être similaire à la propagation du mycélium des champignons. Dans des conditions optimales, composition du sol à environ 90% de dioxyde de silicium CO2, cela prend quelques minutes pour faire apparaître environ 70 briques complètes. Étant donné la grande possibilité des interactions avec le sol, SCP-64 produit une structure autoporteuse très complexe, mais théoriquement stable ressemblante à une brique. Les observations antérieures indiquent que la structure pourrait atteindre la forme d'une étoile à 12 branches, avec un diamètre de plus de 10 km et d'une hauteur considérable. Toutefois, cela est de nature spéculative, la croissance s'arrête de façon permanente une fois un obstacle important, incluant un objet solide et une masse supérieure à 10 kg. L'intégrité structurelle est très élevée et les briques se placent de manière à être aussi planes que possible et s'assemblent presque parfaitement. Fait intéressant, la croissance de la structure est adaptée à un ensemble spécifique des directions cardinales, avec SCP-64 étant toujours la brique la plus au nord sur le niveau le plus bas. SCP-64 doit être joint pour que la croissance puisse se produire. Une fois SCP-64 retiré, la structure commence à se dégrader et toutes les briques secondaires fondent en poussière à un taux à peu près égal de leur vitesse d'apparition. Replacer l'objet dans les 20 minutes de cette désintégration permet à la croissance de se poursuivre, passé ce seuil, le processus est irréversible. SCP-64 a été trouvé par hasard en avril 20 au cours de l'observation par satellite d'un plateau surélevé dans la cordillère des Andes, un opérateur de caméra a noté qu'une structure était apparemment en croissance. En extrapolant l'emplacement approximatif de l'objet à partir de la structure grandissante qui a cessé lors de la récupération, les équipes de terrain ont situé SCP-64 grâce à la différence de couleur entre l'objet et ses briques secondaires. Une fouille complète du site original est en cours afin de déterminer les origines culturelles et technologiques de l'objet.